Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors là, vous me voyez pas, c'est totalement normal. La vidéo arrive, tout simplement que je vous fais une petite note, hein, là je suis au montage. J'ai déjà tout fait, mais vous, pour vous, c'est au début de la vidéo, hein, tout simplement. Or, il y a certains endroits où je coupe un peu l'écran, hein. C'est normal, c'est des informations personnelles, tentez de vous en souvenir jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolé, mais j'ai pas trop le choix au final. Pareil, cette vidéo, elle va être découpée en plusieurs saisons, puisqu'en fait, au total, je me suis rendu compte que j'avais plus de 6 heures de film, et au total, plus de 2 heures de film en continu, parce que je vais faire des timelapses à des endroits. Et du coup, bah, j'ai fait plusieurs saisons. Donc je le savais pas non plus quand je me suis filmé. Donc là vous n'allez, enfin je ne vais pas vous en parler au moment où vous allez me voir, vous allez voir l'image. Mais juste sachez-le, je mets la saison 2 dans la description, hein. N'hésitez vraiment pas du coup, dès que vous l'avez terminé celle-là, bah, allez voir l'autre. Ne raccrochez pas non plus en écoutant cela, hein. Vous en faites pas, ça arrive. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est là et bah regardez un peu, c'est le bordel sur tous les bureaux, quoi. Regardez, ici du bazar, ici du bazar, ici du bazar. On a le PC qui est toujours dessous, que j'ai pas changé de place, hein. En plus mon petit écran d'ordinateur vs le grand écran à côté, ça fait un peu moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, déjà j'ai reçu deux nouveaux produits, donc c'est presque rien, mais franchement c'est deux produits qui vont totalement changer tout le setup. Franchement, ils vont vraiment tout changer. Donc je vais vous présenter ces produits. Et puis juste après on va faire un peu le changement de setup, parce qu'en plus on a un nouvel ordinateur. Donc là un PC Asus. Donc voilà, donc va vraiment falloir qu'on change un peu tout. Surtout que c'est vraiment le bordel, regardez-moi tout ça. Bon, alors on va commencer du coup par ce petit unboxing de ces deux lampes. Voilà, on a nos deux lampes, donc déjà vous voyez ce que c'est. On a des ampoules connectées, donc je ne sais plus trop de qui, mais je sais que c'est les deux mêmes marques, hein, parce que je voulais avoir la même application pour contrôler les deux, et puis bon, elle se contrôle aussi par Google Home. Alors je ne les ai pas encore ouvertes, donc ça c'est une bandelette LED. Donc par contre, ce que je remarque, et là où je suis vraiment en colère, parce que regardez, il a déjà été ouvert, donc nous on ne l'a pas ouvert, regardez là, ça a déjà été ouvert ici. Ici là, c'est un peu tout froissé. Regardez, lui c'est à peu près pareil, il a déjà été ouvert, hein. Donc je l'ai pas encore ouvert, j'y ai pas encore touché, et puis de ce côté il est totalement sale. Franchement je ne sais pas ce que on a fait à ce produit. Pareil là aujourd'hui au même moment, j'ai reçu un solénoïde de tondeuse, parce que je répare une tondeuse que j'ai transformée en carte. Et regardez dans quoi il m'est reçu, hein. La boîte était exactement dans cet état, j'ai juste retiré. Non mais franchement Amazon, c'est quoi ça? Moi franchement j'en vois jamais un truc comme ça. Qui aurait envie de recevoir ça, hein? Bon, bref, ceci n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais juste dire que ces deux packagings là, ils sont un peu tout froissés. C'est pas ouf, hein. Après, peut-être que ça dépend de votre service de livraison, parce que, genre, le carton extérieur, qui était un carton Amazon, n'était pas abîmé, mais intérieur, oui. Donc, je ne sais pas. Alors, on va commencer par le plus simple, donc les deux ampoules. Alors, elles vont servir, en fait, je vous explique, hein. Si vous voulez, en fait, là, vous voyez, on a une lumière, donc celle-là, la lampe. Et en fait, j'en ai une deuxième qui est verte et que je vais peindre en noir. Je vais la mettre exactement au même endroit de l'autre côté, mais je vais mettre des ampoules connectées dedans. Parce que là, c'est juste des anciennes Philips, donc des halogènes. Donc là, on va remplacer ces deux ampoules par ceux-là. Donc, pour ça que je les ai pris un kit de double. Donc là, on voit qu'elles sont compatibles Alexa. Donc, moi, j'ai pas d'Alexa, donc franchement, je m'en fiche. Mais elles sont aussi avec Google Home, là, c'est marqué là. Mise au point. Voilà, et Google Home. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. On ouvre ça. On sort les ampoules. Ouais. J'ai trop peur de les péter. Déjà, elles sont lourdes à l'arrière et très légères ici, là. Ça a l'air trop stylé, franchement. Je sais pas si... Oui, la mise au point. Donc, Rifo, voilà, j'ai oublié la marque. C'est Rifo. Et normalement, les bandelettes LED, c'est pareil. Donc, là... On a ouais, bon, 240 volts, donc là c'est le modèle L3. Bon, normalement elles sont censées loger, hein, je ne sais plus. Ouais, excusez-moi, il n'y a plus trop de lumière, c'est que j'ai éteint celle qui est au-dessus du coup pour pouvoir les mettre juste après. On a rien. Ah si, on a une notice qui vont avec. On va mettre les deux ampoules là. Voilà. On a une petite notice qui est vendue avec. Voilà, mon avis, c'est comment installer les ampoules. Mais c'est qu'en anglais, je crois.
Ouais, c'est qu'en anglais. Alors, on a une notice totalement anglais. Hein. Alors, on met ça un peu de côté et on ouvre les bandes de dead. Donc là, ah, Jasper. On a notre notice un peu beaucoup plus épaisse. Hein. Comment ça s'ouvre ? Ah, c'est à la manière d'un grand poster. Ah, ok, ok, ok. Voilà, a-t-on du français là-dessus ? Alors, attendez. Pas de ce côté. Pas de ce côté non plus. Donc, non, nous n'avons pas de français dans ces notices-là. Bon, écoutez, c'est pas grave, je lis très bien l'anglais. Ici, on a un chargeur. Donc, il fait combien ? Lui, il fait 0,5 ampères. Il fait 2 ampères, pardon. 2 ampères, 24 watts. Donc, c'est ça, 12 x 2, 24. Ensuite, on a un peu tout. Voilà, c'est à peu près marqué. Donc, on a 50 à 60 Hz. Faites attention quand vous achetez des LEDs que ce soit pas du 30 Hz parce que ça commence à être un peu chiant pour la vision. Hein. Alors, je vous explique ce que c'est un Hz. Là, ça veut dire à 50-60, ça veut dire qu'elle va s'allumer 50 ou 60 fois par seconde. Elle va clignoter en fait. Mais tellement vite que ça se voit pas à l'œil humain en fait. Mais toutes les lampes le font. Hein. Et là, du coup, bah, celles-là, elles sont à 60 Hz. Donc, c'est là à peu près une lampe halogène normale. Hein. Parce que les lampes halogènes, elles ont pas le temps de refroidir. Du coup, elles restent tout le temps allumées. Donc, on peut dire qu'il y a un nombre de Hz. Mais on peut aussi dire quand même. Oh, il est énorme le paquet. J'ai pris 5 mètres. Hein. Bon, on a une ouverture facile. On a besoin de le découper. Et c'est directement relié, à mon avis, à la borne Wi-Fi, parce que moi, je les ai pris Wi-Fi. Et oui, ne les prenez pas Bluetooth, parce que c'est-à-dire que vous allez sortir 10 mètres et ça ne captera plus. Donc, moi, si vous voulez, la maison a fait juste 300 mètres carrés. Donc, si je pars 10 mètres, eh ben, à chaque fois, je suis obligé de me reconnecter. Ça se reconnecte pas forcément tout seul. Après, il y aura plus de problèmes. Quoi. Donc là, on a notre petite alimentation ici. Notre petit truc avec power on et tout ça. On a notre magnifique bande LED. Un petit scotch quand même. Okay. Bon, ça c'est magnifique. Hein. Franchement, je suis trop content. Ça a l'air d'être de la super qualité. Hein. Regardez, là on voit par contre au niveau des LED, c'est pas énorme. Il y en a. Je sais pas, ça c'est des LED ou pas. Alors, on va aller dans le Play Store. Pour installer l'application Smart Life. Alors c'est celle-là. Voilà. Hop, installé. Se dépêche 98, 99. Et attention. 100. Installation. Là ça joue un peu plus sur la vitesse du téléphone. Mais moi, vous le savez, il est plutôt rapide à analyse. Allez, on se dépêche. Ok. On ouvre. Oh, stylé l'interface. Alors, créer un nouveau compte. D'accord. Je passe juste mon adresse mail et puis je reprends juste après. Ouais, donc en fait, il vous envoie un code de validation. De validation. On a 30 secondes. Voilà. Alors attends, hop, on revient sur l'application. Oula, il m'a marqué un truc sur deux. Alors, hop. Voilà, donc maintenant en fait, vous avez 60 secondes pour recevoir le mail et le passer. Hein. Maintenant, je vais passer mon mot de passe, définir un mot de passe. Bah oui, mais je voudrais bien le taper, voilà. Voilà, donc rappel de démarrage automatique. C'est désactivé pour le démarrage automatique. On va faire activer. Hein. Smart Life, voilà. Hop. Nickel. On va faire ajouter du coup. Donc là, on va faire. En fait, on peut mettre plein de trucs en connecté avec cette application. On peut mettre des interrupteurs, des prises connectées, des interrupteurs de gradateur, des interrupteurs rideau, interrupteurs Wi-Fi, changement de scénario. Je ne sais vraiment pas si vous arrivez à voir. Enfin, on peut mettre. Voilà les trucs, on peut même mettre des disjoncteurs connectés. On peut faire des scénarios à partir d'une prise. Quoi. Ouais. Éclairage, alors moi je veux une bandelette de LED, gros appareil. Non. Il y a plein de trucs connectés, petit appareil. C'est... Ouh. Alors, peut-être qu'on est dedans nous.
Là, on est dans l'éclairage. Alors, salle de bain, alors, attendez, là on était dans l'environnement. Trucs, mais c'est impressionnant. Ok, j'ai jamais été un truc connecté comme ça. Il y a vraiment énormément de trucs. Électroménager, alors non. Sécurité capteur, peut-être. Je ne sais pas. La détecteur d'inondation, caméra de sécurité, plan monitor. Oh là là. On peut tout faire, il y a plein de trucs. Attendez, est-ce qu'il faut pas que j'ouvre ma case? Verrou, coffre-fort. Vas-y, il y a même des coffres-forts via Wi-Fi. Wesh, capteur. On peut mettre, il y a des alarmes, des pilleurs, je sais pas ce que c'est. Capteur de porte, capteur de température des éclairs. Ouais, alarme. Capteur vocal, même bouton d'urgence, alarme anti-intrusion, capteur de luminosité, capteur PM 2.5, alarme format de, je ne sais pas ce que c'est. Capteur de vibration, capteur. Bon, on n'est pas là-dedans. Hein. Santé exercice, c'est peut-être ça, non? Non, pas du tout. Vidéo surveillance, pas du tout non plus. Mot de passe, pas du tout. Enterre dans mon jeu, rien compris. Autre, vas-y, il n'y a pas dans, c'est peut-être dans autre. Autre. On va peut-être aller dans éclairage quand même. Alors éclairage, mais télécommande. Voilà, juste ça, vite fait. Donc on va redémarrer cette application. L'installer là, hein, voilà. Cliquez sur plus, ok. Donc là, on a à peu près la même chose, juste que eux, c'est pas du tout les mêmes dessins, mais bon, hop, ajouter. On arrive sur électricien, nous on va aller dans éclairage. Appareil indisponible. Pour ajouter, veuillez configurer la passerelle. Initialiser la borne d'appareil. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Please turn on the power, make sure. Moi j'ai pas de petite LED. Ah si, j'en ai plein, mais genre, c'est pas. Voilà. On va y mettre où est-ce qu'elle est cette application. Bon. Pour mettre l'application. Alors on a une petite maison, on va me facile à reconnaître. Non même pas. Ah si quand même, voilà. Alors affiché sur l'écran de verrouillage. Modifier les paramètres système. Changer la connectique, oui. Voilà. Alors afficher des fenêtres pop-up pendant que vous parcourez en arrière-plan. Afficher sur l'écran de verrouillage. Non. Raccourci des écrans d'accueil. On verra ça après. Modifier les paramètres système. Non plus. Voilà. Bon, là, t'as tes autorisations. Non, tu fais pas chier, hein. Voilà. On reprend le premier. Hop, suivant. Attends, on va faire ça. Ouais, allez, hop. Voilà, et ça clignote, on sait que ça clignote. Hop, suivant. Ok. Oh, nickel. Il m'a trouvé mon réseau. Nickel. Je passe juste ce mot de passe. Oh, le mot de passe est visible. Il y a le mot de passe, il est. Oh, en fait, c'est moi qui ai dû le mettre en visible, comme un con. Elle m'a fait 5% de ma recherche. Hein. Scanner les appareils. Oui, ben oui, ben oui, mais non, oui, non. What? Ah.
21%, 22%. Oui, mais l'appareil il est sous tension. Tu fais pas de ma gueule. C'est vrai que vous l'appareil sous tension, ok? C'est vrai que le signal Wi-Fi est bon, ok? Il a terminé. Oh, nickel. On va peut-être le renommer. Hein. Bon, LED. Bureau. EAU. 1. Voilà, sauvegarder. En fait, ça va, c'est facile, faut juste comprendre. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Hop, ça charge. Ce qui est chiant, c'est qu'avec cet appareil photo, je ne peux pas faire ma mise au point. Je vais faire l'ancienne, voilà. Hop, nickel. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Couleur. Ça fonctionne, les gars! Ouais! Ah là, ça éclaire mieux quand même. Je me disais comment on fait là. Donc là, par contre, du coup, elle est connectée. Je suis connecté à quel wifi là, du coup, en fait? Je suis toujours connecté à mon wifi. Nickel. Donc en fait, elle a fait genre, à mon avis, c'est connecté à son wifi à elle. Et depuis l'application, il lui a modifié les paramètres qu'il y a dans ce petit truc pour la connecter à mon wifi. Donc là, je peux changer cette couleur. Ok, j'ai déjà trouvé comment l'éteindre et l'allumer. Maintenant, est-ce qu'on peut lui mettre scène? Genre night. Reddings. Parti. C'est que ça change de couleur, il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi le but? Ok, donc là il va me changer de couleur, mais c'est très 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 lent. Rouge. Chine. Ah super. Comment dire? Wow, voilà, là ça change de couleur là, c'est plutôt pas mal. Hop, alors on va aller maintenant dans musique. Ouais, on va s'enregistrer un petit morceau. Comment on fait du coup? Salut, comment je m'appelle? Alors attends, musique. Salut. Salut. Ok, là, ça change de couleur en fait. Je sais pas du tout comment ça fonctionne son truc, mais bon. Apparemment, c'est censé changer de couleur, mais bon, on sait jamais. Hop, du coup. Non, attendez, hop, je mets ça de côté. Non, non, ah, pas lui. Voilà, minuterie. Ok, donc là, on peut programmer à quelle heure on veut. Right. Oh, ça fait trop mal aux yeux. On va le mettre à moitié, 60% à peu près. Je préfère largement utiliser ce truc. Mais après, scène, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça change de couleur? Venir, ce que bon, il me fait largement pas trop la mise au point. Mais bon. Moi, la mise au point, ça t'en est appareil photo. Là, ça reste vert, les gars. On est bien d'accord. Ça reste vert. Bon, sinon, au niveau des LED sur les côtés, mon petit truc que je me pose la question, oui, en fait, ces petits trucs là ne sont pas des LED. Ces petits trucs, c'est ça là, les LED. Donc, on a à peu près une LED tous les 2 à 3 cm. Bah, bon. C'est 5 mètres, hein, écoutez, ça fait 150 LED. 500 divisé par 150, c'est à peu près ça. Hein. Bon, par contre, ça change jamais de couleur, c'est nul. Ramboy. Waouh! J'adore. Non, 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 c'est totalement pourri. Super. Soft. Oula, le taux de rafraîchissement là il est pas ouf. Je sais pas si ça se voit là, je préfère faire ça là, tu vois. Wouhou, par contre. Genre ça se met pas en même temps quand on fait ça, tu vois. T'es obligé de lâcher. Là tu hop 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 hop. Brightness, on va le mettre. Genre je le mets à 0. Voilà. À 1%, on peut le mettre vraiment à 0. Ok. Là, saturations. En gros, je peux faire ça là et rien me faire. Ok, donc je pourrais aussi régler mon niveau de... Moi, je peux l'éteindre en fait. Regardez, je suis revenu sur mon bureau. Je peux totalement
Éteindre et allumer. Bon, c'est plutôt rapide, hein, ça va. Maintenant, comment on fait pour la mettre avec gestion de la famille? Ma maison. Ouais, je vais l'appeler. Je vais l'appeler ma maison, quoi. Peut-être que je vais mettre des muscles. Hop. Emplacement, ouais, bon, ok. Mais quoi, je m'en fiche de salon. Alors, attends, pièce. Salon, chambre à coucher, deuxième chambre. Alors, non, pas du tout. Ce n'est dans aucune. C'est dans la salle informatique. Salle informatique. Voilà. On est dans la salle informatique, hein. Ah, le nom de la maison, limite la longueur. Bon, alors je peux pas mettre tous les noms de la maison comme j'ai fait sur Wi-Fi. On va mettre maison du grand tilleul. Comment j'écris grand, grand tilleul. Ok, fini. Alors ajouter un domicile. Non, c'est fait. Maintenant, je vais faire centre de messagerie. Là, qu'est-ce qu'il y a? Notification, un téléphone mobile Redmi Note 8T vient de se connecter à ce compte. Oui, c'est moi. Ouais. Faut pas être con, hein. Famille, ok. Alarme, ok. Paramètres. Note Dost. Je sais pas du coup s'il a été mis dans Google Home ou quoi. C'est d'utiliser la météo, le timing comme condition pour créer des scènes. Ouais, grave. J'ai un scénario, je l'ai. Comment on fait? Micro. Salut, comment ça va? Demandez-moi. Ah oui, ok. Mets la lumière en rouge. Mets la lumière en rouge. Commandé Roar. Ok, alors lui, il a cru que j'ai dit Million Onions. Color Red. Color Red. Ok, commandé Roar. Oh, c'est nul. Franchement, c'est nul. On peut rien dire. Automatisation. Ouais. Pouf, je ferai ça plus tard. Hein. Ma famille. Ok, temps dégradé. Oh, 30 degrés à l'extérieur. C'est pas mal. Il me dit pas mal de choses. Justement, ajouter. Mais il est trop con, lui, quoi. Je viens de la mettre. Ah, c'est pas ce feu. Est-ce qu'on peut pas faire genre décaler ça? L'aide bureau, ok, super. Enfin, ajouter un hein, éclairage. Attends, retour, parce que, il est déjà appairé, donc je comprends pas là, où là. Plus. Mais non, il est trop con celui-là, mais là. Ok Google, mets les LED du bureau en rouge. Ok, je demande à Play Music de jouer les LED du bureau en rouge. Mais non, mais il est trop con ce Google. Oh là 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 là, non mais je rêve. Non ta gueule, merci. Hop, voilà. Alors, Google Home, il est pas là. S'il est là, je vais passer là. Non, je vais essayer de d'appairer ça. Maison, super. On n'est pas configuré aucune pièce pour le moment. Ouais, ben je vais faire. Ouais, mais comment on fait pour ajouter les appareils? Il est trop grand, lui. Paramètres, maison, information sur la maison, pièce et appareil. C'est intéressant ça. Comment on fait pour ajouter ça? Oui, je veux bien ajouter un appareil, mais comment on fait, gros con? Ah, voilà, plus. Donc configurer, inviter à rejoindre, créer un groupe d'enceinte, créer une maison vidéo, musique, configurer un appareil.
Je connais déjà la marque du coup. Attendez, il y a les petits logos qui apparaissent. Nous, c'est Live, je ne sais plus trop quoi. Smart Live, mais on les laisse, nous. Oh non, il y a que les A. Moi, je veux un S, bordel. Attends, on n'est pas terminé, hein. Ça leur fin, les S. Oh non, non, les. En nous. Smart Life. Smart Life. Nickel. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, mon adresse et mon numéro de portable. Alors, déjà, moi, je mets juste mon adresse. Voilà. Très le mot de passe. Mais wesh, mais ils mettent les mots de passe avant la parenté, mais ils sont trop cons. Voilà. Vous voyez, au début, ils mettent toujours les mots de passe apparents, c'est peut-être un peu chiant. En vous connectant, vous autorisez Google à accéder à vos appareils. Autorisation accordée, mon petit gars. Pas mis mes appareils là. Ah, l'aide bureau 1 allumé. Couleur. Wow, mieux que ça. Nul. Ok, Google. Mets l'aide bureau en rouge. Très bien, je change la couleur pour l'aide bureau 1 sur rouge. Ok, Google. Mets la luminosité de LED bureau 1 à 60%. Ok, je règle la luminosité de la lumière LED bureau 1 sur 60%. Ok, Google. Ok, Google. Mets la luminosité de LED bureau à 1%. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Ah, ok, Google. Mets la luminosité de LED bureau à 1%. Voici ce que j'ai trouvé. Ok Google, mets la couleur de LED bureau 1 à 1%. Ok Google, modifie la luminosité de LED bureau. Ok, j'augmente la luminosité de la lumière LED bureau 1. Ok Google, mets la luminosité de LED bureau à 2%. Très bien, je règle la luminosité de la lumière LED bureau 1 sur 2%. Voilà, c'est nickel. Mais des fois, il se trompe quand même un peu, hein, vous venez de le voir. Voilà. Est-ce que ça fonctionne avec Xiaomi Home? Parce que moi, je suis sur un Xiaomi, donc pourrait peut-être, ça serait pas mal si ça fonctionnait en réalité. Il y a Xiaomi Home. Voilà. Ajouter un appareil. Est-ce que c'est que les trucs Xiaomi ou pas? Je ne sais vraiment pas. Attendez, je vais aller dans éclairage, moi éclairage. Lampe wallet. On est, on peut pas, hein, mais je suis pas sûr, hein, c'est toujours possible. Attends, ajoute un appareil, on va faire ça. Ok, il reprend. Pièce. Comment vous dire? Ok, super. Bon, on peut pas le mettre avec Xiaomi Home, mais en même temps, c'était pas non plus dit, hein, magasin de goûter. Ok. Enfin. Bon, c'est pas bien grave, hein, j'ai toujours l'autre application. Hop, on va revenir à notre application de base, donc Smart Life, voilà. Super, déjà elle est connectée. Après, je ne sais pas vraiment. Pourquoi il peut le mettre en maintenant? Ouais, il a totalement craché le truc. Voilà.
D'ailleurs, je vais l'appeler LED bureau tout simplement. LED bureau 1, LED bureau 1. Voilà. C'est l'informatique, sauvegarder. Voilà. Je trouve comment on fait. Prise en charge des équipements tiers. C'est quoi Small Genie? Ok. Notification en ligne. Toujours pas mal ça. Partage d'appareil, aucun partagé. Ah ok, bon, ça on fera plus tard. Créer un groupe, ok. Vérifier le réseau. Et bah, c'est ça. On a statut de la connexion réseau, il va me dire quoi là, parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va me dire. Ah, il est toujours en vocal le truc. Ouais. Ok, nickel. Bonne connexion réseau. Il se fout de ma gueule. J'ai du 15 kbps de seconde, wesh. 1 méga, c'est 1000 kbps de seconde. Vous voyez? Juste pour vous dire, moi chez ma mère, j'ai 9 mégabits de seconde, tu vois. C'est-à-dire, j'ai 9000 kbps de seconde. Ici, j'en ai 15. Bon. Super, super, super. White. Là, du coup, on peut la mettre seulement blanc. Ok, ok, mais ça fait moche. Par contre, les scènes, on peut pas, genre, personnaliser sa propre scène. Ok. Ok. Cramboy.